dis à l'Éternel que je suis venu ce matin chercher ma part dans ta maison. Maintenant, donne-moi ce que tu as réservé pour moi. Élève ta voix et déclare des paroles de bénédiction. Demande à Dieu qui est ton Père, qui sait donner une bonne chose au temps convenable à ses enfants. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Jésus, j'entre ce matin dans tes portes. Jésus, j'entre ce matin dans tes portes. Recevoir Jésus, recevoir que ce soit quelque chose. Jésus, j'ai besoin de cette chose ce matin. Je veux que quelque chose se passe dans ma vie. Je veux qu'elle change mon corps et moi. Je veux vivre un changement. Oh Jésus, fais des éternels dans ma vie. Je suis avec ma mère, c'est là, je vais essayer. Je vais essayer de mon âme. Je vais essayer de mon âme. Changement de mentalité, la repentance qui est un changement d'intention, la repentance qui est une prise de conscience. Les hommes de Dieu nous ont parlé de la conversion, qui vont de pair avec la repentance. Et la conversion, plutôt d'abord le changement, en grec, est appelé métanoïa. Donc nous avons la définition du changement de mentalité, du changement d'intention, de la prise de conscience. C'est la définition. Et c'est ce que Jésus, c'est ce que Jean-Baptiste faisait passer au sein du peuple. Parce qu'il parlait cette langue et il savait bien que dans cette langue, ce que cela voulait dire. Métanoïa, qui veut dire changement de mentalité. Et la conversion qui est épistrophée, toujours en grec, qui signifie se détourner vers le vrai Dieu, revenir, retourner, ramener à l'obéissance de Dieu. Et nous avons, automatiquement nous sommes tombés sur Jean-Baptiste qui a porté le message de la repentance. Et quand nous avons écouté par le septembre, nous avons vu l'importance de ce message. Que Jésus voulait venir régler un problème. Mais aussi grand qu'il est, aussi puissant qu'il est, il ne pouvait pas venir comme ça. Et il fallait qu'il prépare d'abord le chemin. C'est-à-dire qu'il fallait envoyer un homme qui s'appelait Jean-Baptiste. Et la Bible dit que cet homme est venu pour préparer le chemin, pour aplanir les sentiers. Et l'exemple est donné comme étant une brousse qui est pleine d'arbres et que l'architecte veut construire. La première des choses, c'est enlever tous les arbres qui se trouvent dans cette brousse. Et le but, c'est de planter une maison. Parce qu'on ne peut pas construire dans une forêt avec des arbres. Et il faut débrousser. Et cela nous a amené à comprendre que la repentance, en fait, c'est un nettoyage. Un nettoyage. Parce que quand nous entendons Jean-Baptiste parler, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il va vous baptiser du Saint-Esprit, du baptême du feu. Et je ne suis même pas digne de délier les lacets de ses souliers. Il présente Jésus comme étant plus grand. Et lui, il vient. Et quand nous prenons Malachie 4, du verset 5 au verset 6, dans d'autres versions, il n'y a pas le verset du chapitre 4, il se limite au verset chapitre 3, verset 23 à 24. Ce passage nous dit que Élie devait venir.
Élie devait venir pour préparer le chemin, pour ramener les cœurs des enfants vers le Père et pour ramener vice-versa. Donc il voulait, le but de la repentance était de rapprocher des enfants vers le Père. Et quand on parle de ramener, ça veut dire qu'il y avait discorde. Il y avait un problème. Et quand nous avons écouté les hommes de Dieu parler, nous avons compris qu'on ne pouvait pas parler de la repentance s'il n'y avait pas le problème. Et quand nous avons cherché ce problème, nous avons compris qu'il c'était à part. C'était par rapport au péché. C'est-à-dire que quand on parle de la repentance, automatiquement, nous devons comprendre qu'il y a un péché quelque part. Sans péché, il n'y a pas de repentance. Amen. Donc celui qui dit qu'il n'a point péché, ça veut dire que ce message ne lui concerne pas. La repentance est pour ceux-là qui ont péché. Et nous allons avancer. Nous avons défini le péché comme étant une transgression de la loi. Nous avons dit que le péché ne concerne que ceux-là qui ont la connaissance de la loi. Celui qui ne connaît pas la loi, on ne peut pas imputer le péché. On a pris l'exemple d'un conducteur, des panneaux du code de la route, quelqu'un qui conduit. Il voit les panneaux, là où la vitesse est limitée à 50 km/h, s'il roule à 100 km/h, il aura une infraction, une contravention, et encore plus grave, parce qu'il est au-delà, deux fois plus. Mais quand tu es piéton, tu peux rentrer dans un sens interdit, ce panneau-là ne te concerne pas. Alléluia. Ça ne concerne que celui qui est au volant, parce qu'on sous-entend que cette personne... C'est une personne qui est passée par une auto-école. Il a appris, il a des notions de base de la conduite. Et donc, en temps normal, il sait qu'il est porteur, il est garant de sa vie et de la vie des autres. Et c'est pour cela que la loi est sévère avec cette personne. Amen. Et donc, la repentance concerne l'Église aussi. Parce que quand nous voyons Jean parler, il est en train de parler à une catégorie de personnes qui ont déjà la loi, qui savent que dans la loi, il y avait des interdits, il y avait des choses qu'il ne fallait pas faire, mais qui étaient pourtant en train de le faire tous les jours de leur vie. Et ce n'était pas n'importe qui. C'était les gens qui avaient la connaissance, qui connaissaient bien que voler n'est pas bien, que tuer n'est pas bien, mais ils étaient en train de pratiquer ces choses tous les jours. Alléluia. Nous avons noté le verset, le chapitre de Matthieu 3, 1 à 3, de 5 à 7. Et nous avons pris Marc 1, de 2 à 3, qui parle du ministère de Jean-Baptiste et qui parle de la mission de ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Et nous avons dit qu'on ne pouvait pas parler du péché sans pour autant parler, plutôt on ne peut pas parler de la repentance sans pourtant parler de la maladie. C'est nous mettre en confusion. Parce que même quand nous allons à l'hôpital, même le médecin, aussi bon qu'il soit, s'il ne détecte pas une maladie, il ne peut pas te prescrire une ordonnance. C'est pourquoi il y a prescription, tu dois aller à l'hôpital, faire le scanner, la radio, il veut déterminer la maladie qui est en toi afin qu'il puisse te prescrire. Sinon, il aura des problèmes. Alléluia. Amen. Donc, la repentance, c'est pour celui qui a transgressé la loi de Dieu. Et quand nous définissons le péché, qui est la transgression consciente et volontaire de la loi divine. Le péché, c'est la transgression consciente et volontaire de la loi divine. Ça veut dire que pour celui qui pêche, il connaît que c'est le péché. Et là, nous avons souligné qu'il n'y a pas de péché inconscient. Ou soit tu n'as pas péché, ou soit tu as péché. Ou soit tu ne connais pas, ou soit tu connais.
Donc celui qui connaît la loi et qui transgresse la loi est bien conscient qu'il est en train de commettre une loi et une erreur. Celui qui conduit dans son tableau de bord, le kilométrage est bien marqué. Quand tu vois le panneau 50 km/h, dès que tu dépasses d'un kilomètre heure, tu sais. Et pourtant, nous voyons les chauffeurs, les conducteurs comme ça, mais foncer jusqu'à ce soir, ils allent. Et quand on les arrête, je suis souvent ces émissions-là, voyez, chacun de nous, il avance ses raisons. Il est interdit d'appeler pendant que tu conduis, mais on les arrête, ils avancent les raisons. Parfois, ils refusent même. Que, non, je n'appelais pas, j'avais juste le téléphone entre mes mains. Et parfois, je rigole quand je suis ça. Parce que les policiers, c'est aussi des hommes qui ont étudié ces choses. Ils savent. Ils prennent ton téléphone, ils regardent. Je vois comment les chauffeurs de poids lourds, ils conduisent, ils font des longs trajets. Mais comme ils sont fatigués, ils mettent souvent le téléphone en train de suivre un film ou bien quelque chose. Mais on le prend, on voit les dernières images, même l'heure. On dit, monsieur, vous ne pouvez pas conduire. Donc, la repentance concerne ceux-là qui ont péché, ceux qui ont transgressé la loi, ceux qui sont conscients que dans la loi, il est écrit que je ne peux pas voler, mais il vole quand même. Et quand on l'attrape, il doit reconnaître que j'ai volé. Et savoir que voler n'est pas bon. Et c'est en ce moment-là que cette parole aura de l'effet dans la vie d'une personne. Un regret profond, quelqu'un qui a regretté toute sa vie. Il dit, pourquoi j'ai fait ça? Une douleur, une prise de conscience. Il n'y a que quelqu'un qui n'a pas l'esprit. Et la Bible les appelle les hommes animaux. Un homme animal. Ça veut dire quelqu'un qui vit, mais il vit avec son instinct. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas un discernement en lui. Il ne sait pas s'il agit bien ou il agit mal. Un homme animal, c'est dans cet état-là que nous étions avant de recevoir Jésus. On agissait comme tout le monde. On ne savait pas. On pouvait porter des tatouages. On pouvait s'habiller comme nous voulons. On pouvait parler comme nous voulons. Pourvu que ce soit la vérité. Et on passe. On pouvait blesser sans tenir compte du reste des dégâts que cela va entraîner. Alléluia. Et nous avons noté le passage de Marc 12, 28 à 34 qui nous parle de l'amour. Nous allons lire. Celui qui a la page peut faire la lecture. Marc 12, 28 à 34. Marc chapitre 12, verset 28 à 34, le nom de Jésus. Amen. Des scribes qu'ils avaient entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu au Sadducéen, s'approcha et lui demanda, « Quel est de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier, écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et l'aimer et aimer son prochain comme toi-même. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et la personne n'osa plus lui poser de questions. Parole du Seigneur. Amen.
Jésus, l'ayant entendu répondre avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Ça veut dire que cet homme n'était pas encore dans le royaume. Mais il n'était pas loin. Parce que, souvenez-vous que les Sadducéens, c'est cela. Les scribes, quand on les mentionne, c'était les sectes en fait, au milieu de cette religion. Et chacun avait son point de vue. Ils avaient la connaissance, mais une connaissance qui n'avait rien à voir avec ce que Christ avait apporté. C'est-à-dire que Christ leur apporte la lumière, mais ils refusent cette lumière. Ils se basent sur leur connaissance. Et quand il entend Jésus répondre à un scribe, il est content. Parce que ça l'arrange. Parce que les scribes ne croyaient pas à la résurrection. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. C'est les sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Les scribes y croyaient. Et quand il répond, lui il est content. Et comme il est content, il s'approche, il pose encore une autre question. Mais une question avec une autre intention dans sa tête. Il sait qu'il ne respecte pas cette loi, mais il connaît parce qu'il a répondu à cette loi. Il a répondu, il sait que l'amour, c'est s'étonner. Et s'étonner. Avec toute sa pensée, avec toute son intelligence, toute sa force. Mais il ne le fait pas. Tu as bien répondu. Mais tu n'es pas loin. Ça veut dire qu'il te manque encore quelque chose. Et nous avons vu que la repentance concerne aussi l'Église. Alléluia. Amen. Et par là, nous avons retenu l'amour, qui est la clé aujourd'hui qui fait problème, qui cause problème. L'amour. Dieu, dans tout son enseignement, il ne parle que de l'amour dans la Bible. Moi, j'ai dit, si je pouvais donner un thème à la Bible, je dirais simplement l'amour. L'amour. Dans tout ce que Dieu a apporté dans le sacrifice, même le culte qu'il faut le définir, c'est l'amour. Jean 3,16. Tu as tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie éternelle. Dieu regarde l'homme en danger et il veut venir secourir l'homme. Et pour le secourir, il faut que l'amour soit en action. Parce que pendant ces temps, n'oublions pas que l'homme est dans le péché. C'est difficile. Et il le dit d'ailleurs, il est convenable, il est compréhensible au moins de comprendre qu'on peut sauver un homme de bien, un homme qui agit bien, on peut se sacrifier pour lui. Mais Jésus, pendant qu'il vient sauver l'homme est dans le péché. Il manifeste l'amour. Il a tant aimé le monde. Et nous sommes ses disciples. Cette parole nous concerne. La repentance. Et il va plus loin dans 1 Pierre 4, 7 à 10. Homme de Dieu. On y va. 1 Pierre 4, 7 à 10. Voilà ce qui a marqué. 1 Pierre 4, 7 à 10. La fin de toutes choses. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est disparu du Seigneur. Quand vous lisez le verset 7, il commence par la fin de toute chose est proche. Il est trop bon. Il regarde l'homme qui tombe vers sa fin, mais qui n'a pas encore accompli cette loi, qui n'a pas encore compris la notion de l'amour. Et il rappelle en disant, fais attention. Faites attention que tel que vous êtes en train de partir, si ce temps arrive, vous n'aurez pas part aussi. Claire. Et il développe. Voilà pourquoi il est bien de méditer la parole de Dieu. Méditer, c'est comprendre, rentrer dans le texte, comprendre la pensée de celui qui a écrit. Alléluia. Comprendre.
comprendre ce qu'il voulait dire. Exactement. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Il pose la prière. Avant tout, donc, avant la prière, ayez pour les uns les autres une ardente charité, l'amour. Car la charité couvre une multitude de péchés. Mettez à la disposition des autres ce que Dieu a mis en vous. Alléluia. Amen. Nous allons noter 1 Corinthiens 13, 1 à 8, qui appuie l'amour. Qui appuie l'amour. Qui dit l'amour supporte tout. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour est patient. Alléluia. Est-ce que nous connaissons ces choses? Est-ce que nous sommes conscients que nous avons déjà entendu parler de ces choses? Que l'amour ne peut pas faire qu'une personne soit orgueilleuse. Que l'amour ne peut pas se réjouir du mal qui arrive à l'autre. Alléluia. Homme de Dieu, on peut lire ce passage aussi. 1 Corinthiens 13, 1 à 8. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, dont j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, je livrerai même mon corps pour être brûlé. Je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie. Et parole, nous prophétisons en partie. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Ça, c'est la connaissance. Dieu veut nous faire connaître sa volonté. Et dès lors que nous avons la connaissance de cette parole, si nous ne la mettons pas en pratique, en fait, c'est là que commence la loi, qui est le péché. Alléluia. Et par là, j'ai mentionné qu'il n'y a pas de péché inconscient. C'est-à-dire que celui qui commet le péché, il sait qu'il est en train de commettre le péché. Il est conscient. Parce que le péché est dans la chair. Même pour celui qui vole, vous voyez pas que pour voler, il faut qu'il regarde bien s'il a des gens. Il faut qu'il regarde bien s'il y a des caméras. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est pas bon. Si c'est bon, vas-y, prends. Sois libre. Si c'est une bonne chose, vas-y. Commets l'impudicité, l'adultère. Si c'est bon, fais-le. Va avec ta femme. Présente-le à ton père, à ta soeur, à ta famille. Si c'est bien, tu le fais. Si tu te caches, ça veut dire que tu sais que c'est pas bon. Amen. C'est pas bon. Mais comme c'est pas bon, qu'est-ce qu'il faut faire? La repentance. Voilà comment intervient la repentance. Changement de mentalité. Nous prions un Dieu plein d'amour. L'amour qui a dans son cœur. Aucun homme sur la terre ne peut l'avoir. Les hommes peuvent nous juger. Les hommes peuvent nous jeter les pieds. Mais Dieu, il nous laisse le temps afin que nous puissions arriver à faire parler notre conscience. Parce que tu peux mentir l'assemblée, tu peux mentir ton frère, même ton père, ta mère, tu peux les mentir. Mais ta conscience reste le premier témoin de tout ce que tu fais. Et cette conscience-là, dis-toi que c'est Dieu. Parce que Dieu regarde. Il regarde les cœurs. Alléluia. Amen. Il regarde les cœurs. Et nous avons aussi... Nous pouvons aussi dire que la repentance est un passage de l'irresponsabilité à la responsabilité. Je suis resté pendant longtemps sur ce point et j'ai conclu que la repentance
C'est une responsabilité. Dieu veut remettre les choses en place. Dieu veut marcher avec un homme responsable. Amen. Avec une femme responsable. Mais avant cela, il faut d'abord sortir cette personne de l'irresponsabilité. C'est comme on dit, un enfant, aussi longtemps qu'il soit enfant, il ne diffère pas un esclave. C'est quand son temps arrivera qu'on pourra lui confier les choses des grandes personnes. C'est-à-dire qu'autant que mineur, il y a des erreurs que tu peux commettre. Ce n'est pas pris en ligne de compte parce que tu ne connais pas encore la loi. L'âge de la maturité, c'est 18 ans. Et on t'attend. Et même cet âge-là, c'est le monde qui définit ça comme ça. Il y en a des hommes, même à 50 ans, il n'est pas mature. Il y a des femmes, même à 40 ans, elle n'est pas mature. Et la maturité vient de la parole de Dieu. Vient de la connaissance de la parole de Dieu. Vient de la repentance. Vient de la prise de conscience. Et Dieu voulait ramener l'homme à la maturité, à la responsabilité. Et voyez-vous que la source de la repentance vient du jardin d'Éden. Ça veut dire qu'il y avait un homme responsable. Vous pouvez noter le passage dans Genèse 2, 15 à 17. Dieu a un projet. Il veut projeter ce projet-là sur la terre. Donc, il crée l'homme, Adam. Il met en lui toute faculté. Il met en lui toutes les décisions. Il lui confie la tâche. Il dit, voilà, tu vas cultiver le jardin et tu vas garder le jardin. Il n'y avait pas, en ces temps-là, les animaux féroces pour venir manger, pour venir faire du mal. Non, il n'y avait pas encore le péché. Mais quand vous lisez, vous comprenez que il mettait en garde Adam parce qu'il savait qu'il y avait déjà une sémence à côté. Et qu'il fallait veiller afin que cette sémence ne rentre pas dans le jardin. La responsabilité. Et quand nous voyons cet homme, nous lisons, nous allons comprendre qu'il était responsable au début. Avec le temps, il était devenu irresponsable. Parce qu'en temps normal, le serpent n'avait même pas le droit de parler à sa femme. Est-ce que vous le savez? Parce que Ève était mariée, elle avait un homme. Il y a de ces choses, on l'a souligné, qu'il n'y a que l'homme pour le faire. Il y a des choses, il n'y a que la femme pour le faire. En ce qui concerne l'autorité, la loi de la maison, c'est l'homme. Ce n'est pas Ève, ce n'est pas la femme. Donc en temps normal, le serpent allait passer par Adam pour lui parler. Parce que c'est à Adam que Dieu avait confié cette mission. Voyez-vous la malice du serpent? Il a dit qu'il était l'animal le plus rusé de tous les animaux. Il sait que si je passe par le pasteur, que je passe par le frère, ça ne va pas marcher. Parce que le frère est tellement dur. Le frère est tellement compliqué. Je fais quoi? Parce que les gens, ils observent. Ils observent les comportements. Bon, celui-là, non, il a une bouche facile. Si je lui confie ça, il peut dire à l'autre. C'est-à-dire que je peux contaminer, je peux aller de 1 jusqu'à 10. Celui-là, si je dis ces choses-là, il va d'abord m'arrêter. Et il risque même de me frapper là où je suis. Oui, il y a des hommes comme ça. Ils sont sensibles à certaines choses. Et voilà, le serpent passe par Ève. Il met une goutte d'eau dans le vin. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, tu ne peux pas te rendre compte qu'il y a une goutte d'eau. Il y a une goutte d'eau dans le vin. Une seule goutte. Le vin, il retient sa couleur. Il ne change pas. Une goutte d'eau. Mais une sémence déjà dedans. Et tu bois, tu ne sais pas qu'il y a une goutte d'eau dedans. Est-il réellement écrit? Mais il sait qu'il est écrit que tu ne devais pas manger. Et une femme responsable aussi doit dire non, tu n'as pas le droit de venir me parler. Il faut que tu appelles mon mari, il faut que tu parles à mon mari. Tu ne me parles pas à moi. Parce que les choses du jardin ne me concernent pas. Ça concerne l'homme.
Amen. Moi, je suis là pour soutenir. C'est lui qui a la vision de ce jardin. C'est lui. Pourquoi tu n'es pas passé le voir? Ah, parce que tu sais qu'en passant le voir, tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Il y a combien de femmes comme ça qui ont vient de parler, parfois tu n'associes pas ton mari. Tu développes, tu ajoutes, tu ajoutes. Et ton mari au courant à la fin, il y a déjà un dégât. Pas possible. Et parfois l'homme se met à pleurer. Des choses qu'il n'arrive plus à maîtriser. C'est parti très loin. Et c'est là où nous parlons de l'amour d'Adam. Il aimait sa femme, c'est vrai. Parce qu'il ne pouvait plus, parce que sa femme avait déjà mangé. La condition, c'est qu'en mangeant, sa femme allait mourir. Et c'est là qu'on nous ressort aussi Jésus, qui est mort pour nous. Adam était obligé de manger parce qu'il ne pouvait pas. Malheur à lui, il n'a pas pu demander pardon. Quand vous lisez la vie de cet homme, il a mangé l'arbre. Et Dieu fait semblant de revenir, de poser des questions, des petites questions que je pouvais aujourd'hui répondre. Reconnaître que j'ai fait mal, j'ai mal agi. Ce n'est pas la femme. La femme n'est pas le chef. C'est l'homme qui est le chef. Vous savez, ici en France, il y a de ces choses bizarres que j'ai, qui me dépassent. Où la loi a mis en place une liberté dans la vie des femmes et qui aujourd'hui commence à marcher sur les hommes. Aujourd'hui, j'ai découvert des choses que je n'avais jamais comprises ici. C'est la loi qui dit qu'on peut se marier aujourd'hui, bon, demain on décide, on divorce. Parce que c'est normal, ici c'est normal le divorce. On peut injurier son mari. On peut poursuivre son mari en justice. On oublie l'alliance qu'il a eue auparavant avec cet homme. On peut tout faire, même les enfants. Ils peuvent tout faire. C'est des choses que je n'avais jamais. Je n'avais jamais compris. Parce que chez nous, tu le fais. Ce n'est pas ton père qui va réagir. C'est les voisins. C'est le quartier. Parce que c'est une honte. C'est des choses qui ne sont pas normales. Mais ici, on encourage. Le mal, on encourage. La femme a des avantages. Il y a la CAF. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a la femme seule. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'avantages. La femme, pour elle, même le mariage ne compte pas. Alléluia. Amen. Ça ne compte pas. Parce que nous sommes dans un état de droit. Et le droit nous ouvre les portes. Que s'il agit comme ceci, moi aussi je vais agir comme cela. Alléluia. Donc Adam était irresponsable. Ce qui a manqué dans la vie de cet homme, c'est de demander pardon. Dieu est venu, il a posé des questions. Où es-tu? D'abord, il se cache. Pourquoi tu te caches? Parce que je suis tout nu. Qui t'a appris que tu es nu? C'est la loi. C'est là, en fait, que là, les choses commencent. La connaissance du bien et du mal. Nous connaissons ce qui est bien et ce qui est mal. Et nous devons arrêter de faire semblant que nous ne connaissons pas. Nous connaissons. Parce que la loi est dans la chair. La loi est en nous. Et de sur quoi il a mis en nous l'esprit du discernement. Ça veut dire que quand tu fais une volonté, le Saint-Esprit doit parler. Si c'est bon ou c'est pas bon. Quand tu blesses une personne, tu dois retourner dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il était irresponsable. Et quand nous avons défini la responsabilité, nous avons dit ceci, c'est une obligation morale de se porter garant de ses actions ou des actions des autres. Ça, c'est la définition de la responsabilité. Donc, tu es garant de tes propres actions, de ta vie et de la vie des autres. Et j'ai dit, waouh, je faisais des graves erreurs avant. Parce que je me disais que je suis responsable. Parce que je me conduis bien. Parce que je protège mes enfants. Non! Ça ne se limite pas là. Tu n'es pas dans la définition de la responsabilité. Adam devait être responsable de sa vie et responsable de sa femme. Et nous avons pris Genèse 4,
Genèse 4, versets 6 à 9, qui nous parle de Caïn. Dans ce passage, Caïn donne une offrande à Dieu. Abel, son frère aussi, donne l'offrande à Dieu. Les deux devant Dieu. Vous savez que l'offrande, dans sa définition, c'est la disposition. Ce n'est pas l'acte d'abord, c'est la disposition du cœur. C'est-à-dire que quand tu donnes ton offrande, Dieu ne regarde pas ton mouvement, mais il regarde ton cœur. C'est ainsi que cette femme qui avait donné qu'un denier, son offrande était beaucoup plus considérée que tous ceux qui ont donné plus. Parce que nous sommes vigilants, nous sommes frappés à ce qui frappe l'œil. Quelqu'un peut donner 1 milliard d'offrandes ici. Cette offrande ne peut pas être agréée. Pourtant, nous avons accepté, on va beaucoup servir de cette offrande. Mais Dieu dit non, ce n'est pas une offrande. L'offrande, c'est un sacrifice, le cœur d'abord. Et Dieu a vu le sacrifice. Dieu a vu le sacrifice d'Abel. Il a vu le sacrifice de Caïn. Il a agréé celui d'Abel qui était son cadet. Et il a dit une chose. On va lire, bien aimé, Genèse 4, 6 à 9. S'il te plaît. Voilà ce qui a marqué. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte de ses désirs. Se porte vers toi, mais toi, domine sur lui. Le péché se couche à la porte, mais toi, domine-le. Alléluia. Vous voyez comment, quand on parle de la convoitise, on a touché un peu la vie de David, parce que c'est là le plus grand exemple que je prends de la convoitise, qui a engendré 3 péchés. C'est-à-dire qu'il a fait un triplé sans se rendre compte. Mais que ça a commencé à rien du tout. Bathsheba se lavait, prenait son bain. Et vous savez que les clôtures, les maisons anciennes, il y avait sous le toit un endroit où on devait monter pour faire la prière. Il y avait toujours, dans chaque maison, il y avait toujours un endroit préparé. En haut, a dit que le roi était sur sa toiture. Il a regardé Bathsheba prendre son bain. Il avait tout son temps d'éviter cela. Il est parti au bout. Il a convoité. Après la convoitise, il a fait quoi? Il a commis l'adultère. Parce qu'il savait bien que c'était la femme d'Uri. Et après cela, il est allé plus loin. Il a tué le mari de Bathsheba, Uri. Et c'est là qu'on a dit qu'il n'y a pas un petit péché, il n'y a pas un grand péché. Tout péché est péché. Et quand on parle de la convoitise, nous disons que ce n'est pas regarder une ou deux ou trois ou quatre ou six fois. Non. La convoitise, c'est ce qui se passe au-dedans de la tête pendant que tu es en train de regarder. Tu regardes quelqu'un parler, parfois tu remues la tête, et dans ton cœur, il se passe quelque chose comme ça. C'est ça. Et ça, ça peut t'entraîner à pécher, à aller loin. Nous avons vu Judas avec Jésus. Il mangeait. Personne ne pouvait discerner que c'était lui, en fait, qui devait vendre le Messie. Il était là tout gentil. Il mangeait avec Jésus. Un sourire normal. Mais dans son cœur, il y avait quelque chose. Il faut que je le livre. Pourtant, Jésus n'avait rien fait de mal. Alléluia. Amen. Oh, gloire soit rendue à cet homme de Galilée. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il a dit à cet homme, va, ce que tu as fait, fais-le. Ce que tu as fait, fais-le. Alléluia. Jésus est venu avec une parole qui a bouleversé le monde. Devant un adversaire que tu sais qu'il va te livrer, qu'il va te tuer. Ce que tu veux faire, fais-le. Parce qu'il savait que toute chose concourt au bien de ce qu'il avait dit. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il savait que cela faisait partie de la volonté du Seigneur. Alléluia. La responsabilité, c'est prendre soin de sa vie et de prendre soin de la vie des autres.
Nous avons aussi pris l'histoire du bon samaritain. Toujours dans le sens de la responsabilité. Parce que nous nous sommes dit que souvent quand nous décrivons cette histoire, nous parlons de l'amour. Mais nous ne touchons pas souvent le côté de la responsabilité. Parce que le bon samaritain, c'est Jésus. Il n'y a que Jésus pour le faire. Mais Jésus nous a donné quoi? Il nous a donné le pouvoir aussi de devenir. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, il nous montre que nous pouvons aussi le faire. Parce que c'est une parabole. Il dit, un homme venait de Jérusalem pour Jéricho. Quand vous regardez la carte de Jérusalem à Jéricho, vous allez comprendre que c'était quelqu'un que le sacrificateur, le Lévite, devait forcément connaître. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'était une connaissance. Cet homme, par malheur, il tombe entre les mains des brigands, on le charge à l'écoute. Cet homme, il tombe. Bon, il pouvait se dire qu'il est déjà décédé. Ils appellent même pas les pompiers. Peut-être de le réanimer. Ils passent outre. Ils ont un programme, ils ont un timing à accomplir. Comme nous les avons aujourd'hui. Un programme, nous courons derrière le temps. On n'a plus le temps de prendre soin de ceux qui sont autour de nous. Le sacrificateur est venu, il a regardé. Pasteur, ça veut dire que je regarde. Après le culte, je passe en rentrant chez moi, je regarde, tu es par terre. Tu saignes partout. Je passe quand même. Le pasteur Clément, il passe. Il te regarde, il te laisse, il passe. C'est comme ça l'histoire. Mais un musulman, il arrive, il regarde, il dit non, la compassion. Parce que j'ai expliqué le problème qu'il y avait entre la Samarie et Judas. C'était des ennemis. Dans Jean 4, vous comprenez que la femme est en train de mentionner cela. Il n'y a pas relation entre vous et nous, entre la Samarie et Judas, entre les Juifs et les autres tribus, les 10 tribus. Ils s'étaient divisés en deux. Au temps de Jéroboam, par la prophétie du prophète qui avait déchiré son manteau en deux. Et ça, c'était au temps de Salomon. Et Dieu avait dit que je ne permettrai pas que cela arrive pendant ton règne, et ça arrivera après ton règne, et juste après Salomon. Ils se sont divisés en deux. Il y avait un roi là-bas, il y avait un roi de l'autre côté. Et il y avait conflit. Comme aujourd'hui nous voyons dans d'autres états. Ils étaient frères, mais ils se sont séparés. Des pères ennemis, ils ne s'entendaient pas. Cette femme dit, mais qu'est-ce que tu es venu chercher? Ce puits-là ne t'appartient pas. Alléluia. Amen. Et c'est curieusement cette personne qui va prendre la personne, le ramener à l'hôpital, lui traiter, lui donner tout ce qu'il faut. Et même préméditer, c'est-à-dire que anticiper ce qui allait arriver. Et j'ai dit que si le médecin était malhonnête, il devait exagérer sur les factures. Parce que l'homme avait dit que derrière moi, il se peut qu'il arrive quelque chose, je vais repasser par là et tu vas me donner le devis. Ce que tu as dépensé, je vais te rembourser. Alléluia, aucun cœur. Et Jésus a dit, d'après toi, qui est le prochain de celui qui est tombé? Ce n'est pas l'ancien Alain, ce n'est pas le pasteur Clément. Mais c'est le musulman. C'est lui que tu n'aimes pas. Alors il a dit, toi, va, fais de même. Alléluia. Amen. L'amour doit être ancré dans notre sang. C'est le message phare des Écritures, l'amour. Et nous sommes dans une assemblée, nous devons ressentir cet amour envers les frères et les sœurs. Quand, dans 1 Corinthiens 13, 1 à 8, il mentionne, ne soupçonne point, Dieu est entré en même temps de nous signaler que là où il y a des hommes, il y a des problèmes. Mais là où il y a l'amour, on ne voit pas ces problèmes. Parce que l'amour couvre tout. Mais ça ne nous empêchera pas de dénoncer le péché. De ramener les frères et les sœurs à la raison. Parce que sinon, si on les laisse, le salaire du péché, c'est là. La mort. C'est la mort. Donc, on ne va pas aller colporter, on ne va pas aller
critiquer, mais au contraire, nous devons ramener les personnes parce que tu te dis quoi? Que j'ai la charge de mon frère, j'ai la charge de ma soeur. Si Jésus revenait aujourd'hui, ça veut dire que moi je vais aller au ciel, ma soeur ou mon frère n'ira pas. Parce que la commission du péché, c'est ça. C'est l'enfer. Et tiens-toi, tu seras jugé comme ça. Tu seras jugé. Le fait de savoir que le bien qu'il faut le pratiquer et que tu ne le fasses pas, c'est un péché, ça devient un péché. Alléluia. Amen. Allez vers les frères. La Bible dit que quand tu as un problème avec ton frère, avec ta soeur, va le voir. Va la voir. Parle avec lui. Parle avec elle, face à face, tête à tête. Réponds-le avec un verset biblique, avec une parole d'amour, avec une parole de connaissance. Parle avec lui. S'il ne t'écoute pas, cherche le plus proche. Le but, c'est de ramener. Ce n'est pas de nuire le frère ou la soeur. Ce n'est pas de l'exposer. Mais c'est de l'aider à revenir sur le droit chemin. Va chercher celui que la personne aime beaucoup. Peut-être qu'il a déjà parlé de quelqu'un qui l'aime beaucoup. Va voir cette personne et appelle cette personne. Tu sais que cette personne-là ne va jamais trahir. Et parle à la personne en présence de cette personne. Si Dieu met toutes ces conditions-là, alléluia, il sait qu'un homme qui a le Saint-Esprit, un homme qui a le Saint-Esprit, quand il arrive sur ce point-là, d'écouter un homme, lui rappeler la parole de Dieu, et le temps utilisé, et la manière de parler, non, il dit non, ce frère-là même, même ce qu'il dit là, même si je peux bouder, à la maison, je vais quand même me rendre compte, non, le pasteur lui-même. Parce que ça, ce n'est pas quelqu'un qui vient toutefois vous encourager. Non, tu as bien fait, non, ça c'est bien. Non, frère, non, tu as bien fait. Non, il ne t'aime pas. Il faut aimer une personne qui vous dise des choses. Frère, ça, tu as bien agi, mais tu pouvais faire ceci. Ça allait sortir mieux. Tu as bien parlé là, mais attends, le langage que tu as utilisé, il ne fallait pas. Tu pouvais dire ça, tu as bien parlé, mais il fallait utiliser ce temps pour que le message aussi puisse s'asseoir dans la vie de ce frère ou de cette sœur. Le péché se couche devant la porte. Et les désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Domine sur lui. Et nous avons dit que le péché est lié à la chair. Nous avons pris Romains 7, de 4 à 25. On va lire à la maison, mais nous pouvons lire Romains 8, de 1. On va lire Romains 7, de 4 à 25. On a encore le temps, on peut lire. On relit, on lit ici et puis on va lire à la maison. C'est long, mais c'est important. Parce que je sais qu'il y en a de ceux qui n'aiment pas lire à la maison aussi. On lit quand même Romains 7, 4 à 25. 4 à 25. Comme ça, que cette parole soit une condamnation pour tous ceux qui vont l'écouter aujourd'hui. De même. Même si tu ne lis pas ta Bible à la maison, mais tu as quand même entendu cette parole. On y va, mon frère. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous n'apparteniez pas à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions les fruits de Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagé de la loi, étant mort à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle un péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi m'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie.
et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me détruisit par le commandement. Et par lui, me fit mourir. Saute, va au verset 14, continuons à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui fais, mais le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais le mal que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi et mon entendement, et qui me prend captif de la loi du péché qui est dans les membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ mon Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Parle du Seigneur. Amen. Romains nous présente deux personnes. Une personne avec la loi de Dieu, une personne avec le péché. Et c'est là que j'ai dit que le péché n'est pas loin de nous. Ne cherchons pas ou ne pensons pas que le péché est très très loin de nous. Le péché est en nous. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Nous allons encore, par la suite du verset du chapitre 8, maintenant avoir la lumière sur ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que ces deux personnes-là, Jésus est venu pour libérer l'homme spirituel. Il est venu donner l'indépendance à l'homme spirituel. Et le but, c'est que cet homme spirituel, étant mature, ait la capacité de dominer sur l'homme charnel. C'est-à-dire que celui qui accomplit la notion de la repentance, il ne marche plus selon les désirs de la chair. Mais il doit dominer la chair. Il doit marcher selon les désirs de l'esprit. Parce que si tu te laisses aller, ce monde et tout ce qui s'y trouve, en fait, la majorité de ta demande sur cette terre, c'est la chair. L'habillement, tout ce qui peut attirer, c'est la chair. C'est la chair. Et voilà pourquoi ce n'est pas, je l'ai dit au premier culte, ce n'est pas pour encourager le péché, mais c'est pour nous mettre en garde. Ça veut dire que nous ne pensions pas que notre ennemi, que notre adversaire, celui qui est en face de nous ou celui qui est loin de nous, c'est notre chair. C'est notre corps. Et voilà pourquoi Paul a dit que je le traite durement. Parce qu'il avait compris. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne fais pas faire, que je haïs même. Mais c'est ce qui souvent arrive. Je veux injurier, mais... Je dis, je n'injurie pas, mais c'est ça qui sort. Je vais commettre le péché. Et c'est ce que même David sort dans le psaume 51. Il se justifie devant Dieu. En fait, il s'excuse, il demande pardon. Je suis conçu dans l'iniquité. Il veut rappeler à Dieu comme si Dieu ne savait pas tout ça. Alléluia. Et cet homme est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il savait comment prendre Dieu. Comment reconnaître qu'il a mal agi. Amen. Alléluia. Amen. Il savait bien. Et vous savez qu'un papa, il aime des choses comme ça. Il t'a suspendu. Il t'a sanctionné. Ne t'oppose pas. Ne t'oppose pas. Ne t'explique pas. Parce que tu ne connais pas mieux que papa. Papa connaît mieux que toi. Il a aujourd'hui, ce soir, 10 ans, 50 ans. Toi, tu n'as que 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu n'as aucune expérience de la vie.
Ce qu'il te dit, il a des preuves. Parfois, il ne peut pas t'expliquer toute la réalité de sa vie. Mais il connaît que tu as commencé par A, tu finiras par X, X ou Y. Et ça va mal se passer dans ta vie. Et quand il te dit des choses, il faut l'écouter. Alléluia. Amen. Et quand tu n'as pas écouté, il faut savoir revenir. Dis papa, pardonne-moi, parce que j'ai mal compris. J'ai mal compris. La responsabilité, c'est une affaire de tous. C'est prendre soin de ton frère. Prendre soin de ta soeur. C'est mettre à la disposition de l'autre les dons, les talents que Dieu a mis en toi. C'est ramener, c'est rassembler. Elle dit qu'il nous a fait de nous un royaume de réconciliation. Elle dit que nous sommes là pour réconcilier. Ce n'est pas pour mettre le feu. Ce n'est pas pour diviser. Mais c'est pour apporter la paix. Nous sommes le sel de la terre. Et nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Amen. Et cette église allait de progrès en progrès. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas de problèmes. Ils avaient des problèmes. Mais ils savaient. Ils savaient comment utiliser l'amour à la place de tous ces éléments. Et c'est l'amour qui dominait. Dis alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Et Jacques 1, de 12 à 27, dit que l'amour, et nous devons supporter la tentation. Nous devons supporter. Supporter, l'homme de Dieu nous a défini, c'est tenir en dessus. Et c'était comment vous avez défini? Supporter. Vous l'avez dit là au tableau. Porter par-dessus. 25 kilos, 30 kilos. Là, les kilos ne comptent pas. Ça peut être 100 kilos, tu dois supporter. 200 kilos, tu supportes. C'est-à-dire que tu as un frère qui te dérange, tu as une soeur qui te dérange, que tu n'arrives pas. Tu dois le porter, tu dois la porter. C'est ça l'amour. Alléluia. Et enfin, il y a un point que nous ne pouvons pas passer sans aussi. Il est allé par rapport à la repentance. C'est un responsable doit faire quoi? Doit restituer. Un responsable, celui qui est passé d'une irresponsabilité à la responsabilité, doit avoir la capacité de restituer. La restitution, c'est remettre en place d'une chose qui n'était pas en place. Remettre la chose d'autrui que tu détenais malhonnêtement. On part souvent dans des pays où il y a le pouvoir du gouvernement qui ne respecte pas la loi, le bien mal acquis. Ça veut dire qu'il a pris l'argent de l'État, il a construit, il a musé dans sa famille, il a utilisé sur beaucoup de choses. Et quand on détecte cela, on appelle tous ces biens-là le bien mal acquis. Et nous voyons jusqu'aujourd'hui comment les parents s'accaparent des maisons des défunts. Ils ne laissent pas selon la loi les enfants, selon la loi, bénéficier de cet héritage. Et ça se passe souvent en Afrique. Elle dit que mon frère est parti, il a laissé les enfants, je suis son cadet, je prends la paternité de prendre cette maison. Je ne m'occupe pas des enfants qu'il a laissés. Et parfois on chasse sa femme et ses enfants de la maison. Je m'accapare. Et cette parole concerne aussi cette personne. Si tu as écouté cette parole, si tu as un bien mal acquis, et si tu veux bien te repentir, tu dois à la fin restituer ces biens mal acquis. Il y a des hommes qui ne supportent pas la présence d'un frère ou d'une soeur. C'est-à-dire que dans leur cœur, il y a une prison. Ils détiennent des gens prisonniers. Et si tu as compris la repentance, tu dois restituer. Tu dois laisser libre ces frères ou ces soeurs. Alléluia. Et nous allons lire un passage pour conclure la restitution dans Luc 19. 1 à 10, frère. Luc 19, 1 à 10. 1 à 10. Jésus étant entré à Jéricho, traversa la ville. Oh. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur le sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte de descendre, car il faut que je rentre aujourd'hui dans ta maison. »
Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger un homme, un pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'est carré, parole du Seigneur. Amen. Le fils de l'homme est venu chercher des brebis égarées. Il est venu chercher tous ces enfants-là qui sont perdus. Et nous avons reçu l'image du fils prodige. Celui qui n'avait pas respecté la loi établie par son père, il est parti. Et il est revenu après avoir repris sa conscience. Alléluia. Quand nous lisons cette histoire, nous comprenons quelque chose. J'ai retenu pas mal de choses dans cette histoire. Cette histoire peut nous parler d'un publicain. Un publicain, c'est celui-là qui était serviteur des Romains et qui était au service de collecter l'impôt sur ses frères. C'est la stratégie. Et quand j'ai lu l'histoire des Romains, c'est comme ça qu'ils faisaient. Ils arrivent, ils vous colonisent. Il y a des travaux qu'ils ne font pas. Ils prennent un de vous, ils le travaillent et ils le mettent à la disposition de ses frères. C'est lui qui doit maltraiter ses frères. On l'utilise. Un frère à vous a dit que le collecteur d'impôts était un juif. Et il travaillait pour le compte des Romains pour aller collecter l'impôt aux juifs. Et quand il fallait collecter 100 euros, si malhonnête qu'il était, parce que la Bible dit que les collecteurs d'impôts étaient riches, même dans sa déclaration, vous comprenez, ce n'était pas son salaire, en fait. C'était de l'argent acquis malhonnêtement. A dit qu'au lieu de collecter 100 euros, il collectait 200 euros, 300 euros. Il avait ce plein pouvoir. A dit qu'il maltraitait ses frères. Et voilà pourquoi quand vous lisez dans la Bible, quand on parle des collecteurs d'impôts, dès que Jésus voulait s'approcher d'eux, il y avait toujours une réaction. Parce qu'il savait que ce n'était plus des frères. C'était des gens loin. Parce que ce qu'ils faisaient n'était pas normal. C'était encore compréhensible qu'un Romain puisse le faire, mais pas un frère. Mais écoutez Jésus. Jésus arrive. Il veut rassembler tous ceux-là qui ont péché. Il arrive, il savait. Et cet homme certainement avait déjà entendu parler de Jésus. Mais à cause peut-être de son occupation, de son service, il n'avait pas le temps de partager avec Jésus comme ça. Et vous savez, Jésus, il lit les cœurs. Les cœurs. Il a compris dans le cœur de cet homme qu'il y avait une douleur, une souffrance. Il était lié à un contrat avec les Romains, mais qu'il ne pouvait peut-être pas lâcher facilement. Et la Bible dit qu'il est monté sur un arbre appelé Sycomore. Et c'est là que Jésus l'a regardé. Il a regardé. Il a dit, à toi de descendre. Aujourd'hui, je vais souper dans ta maison. Et quand il vient chez lui, la personne commence à confesser. Voilà pourquoi, quand on parle de la repentance, une repentance sans confession n'est pas une repentance. Dans la repentance, nous avons la confession. Il faut confesser. Il faut confesser, il faut sortir. Tu viens, tu vois le pasteur, tu vois le responsable de l'église. Regarde-moi ça, ça, j'ai pas pu. Pendant cette période, regarde comment je me suis comporté. Et je veux que tu pries pour moi. Il faut que tu parles. Il a su orienter sa confession devant Jésus. Il a dit, j'ai mal agi. J'ai pris malhonnêtement de l'argent. Mais écoutez, je vais rembourser tout ce que j'ai pris. Au-delà de ce remboursement, je vais donner le quadruple de ce que j'ai pris. Le quadruple. Et quand vous repartez exactement dans David, quand Nathan lui parle, il parle que cet homme-là qui avait péché devait rendre quatre fois plus de brebis qu'il avait pris. J'étais dans la loi. Cet homme connaissait la loi, mais il n'arrivait pas à respecter cette loi. Et quand la parole est arrivée, il y avait un déclic dans son cœur. Il a compris, non, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui je dois changer. Je rends la restitution.
la restitution. La restitution. Que les miroirs au-dedans de toi réalisent ce qui se passe dans ton cœur. Il n'y a que toi qui es témoin de toi. N'est-ce pas, mon Dieu? Il n'y a que toi qui es témoin de toi-même. Personne. Tu peux me tromper. Tu peux tromper le pasteur. Tu peux tromper l'ancien. Tu peux tromper le frère. Tu peux tromper ta maman, ton père. Mais ta conscience est là. Et cette conscience-là, c'est Dieu qui te parle aujourd'hui par le moyen de cette parole. Amen. La repentance. La repentance. Parce que le temps est proche. Et l'amour de Dieu, tellement, il est grand. Il ne veut pas que tous nous puissions périr, mais que nous puissions bénéficier de cette grâce. Amen.